Dieu vous bénisse. Je vous prie de prendre place dans la présence de Dieu. Aide-moi à saluer le roi, la reine qui est à tes côtés. Salue-moi le frère, la sœur à côté. Tu peux lui faire un petit bisou. Dis-lui que tu es beau, que tu es belle. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors nous sommes dans la joie ce matin et nous voulons partager la parole de Dieu. Et en avant cela, j'aimerais honorer la présence d'un homme de Dieu qui est au milieu de nous, un ami, un frère. Il est de la Côte d'Ivoire. Amen. Le pasteur Ghislain Koulibaly, si tu peux te lever, homme de Dieu. Viens me voir. Viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alors, c'est vraiment, vraiment un frère. Les deux dernières fois, j'étais à Abidjan, celui qui m'a invité. Et je me rappelle le premier séminaire qu'il avait organisé, c'était Jésus, la fin de toute impossibilité. Et le Seigneur nous avait fait énormément du bien. Et la dernière fois également, alors il est parmi nous pour deux semaines. Vous aurez également l'occasion de l'entendre. Amen. Alors j'aimerais juste qu'il puisse saluer l'Église. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Soyez infiniment bénis. Et soyez vraiment les princes de votre génération. Vous êtes dans une assemblée où le Saint-Esprit gouverne vraiment. Et c'est vraiment une grâce. Par ces temps de la fin, par ces moments où la véritable parole de Dieu, celle qui est pure, celle qui est sans levain, est rare. Avoir des serviteurs de Dieu comme le serviteur que vous avez ici disposé, le pasteur Douglas et son équipe, vraiment, c'est une grâce. Donc, ce que je peux vous souhaiter, c'est de demeurer dans cette grâce-là, de ne pas perdre ça. Ne perdez pas la grâce. Ne jouez pas avec la grâce. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse dans vos différents ministères. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges. Juges au chapitre 14. Bénissons le Seigneur pour le mariage qui a eu lieu hier ici. Le mariage de notre sœur Gladys et notre frère Yannick. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien et nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce et sa fidélité. Alors, nous étions là jusqu'au matin, quasiment. Et la majorité des ouvriers, je crois, ils sont rentrés. Ils sont rentrés à 5h, 6h du matin. Mais bon. Heureusement qu'il y a le deuxième culte. Il y en a qui seront là pour le deuxième culte. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je demanderai à tous ceux qui font les fêtes, terminez quand même vos fêtes plus tôt pour que le matin, nous ayons le temps de venir au culte. Parce que quand on termine à 6 heures, c'est sûr que pour être là à 9 heures, c'est compliqué. Que Dieu soit béni. Amen. Juges au chapitre 14. Est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble, le verset 1er au verset 14? Juges 14, le verset 1er jusqu'au verset 14. Est-ce que nous pouvons tous le lire? Nous lisons 1, 2, 3.
Amen. Est-ce qu'on peut relire le verset 14 à haute voix? De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Le thème de notre prédication ce matin, c'est « Samson déchira le lion ». Amen. Amen. Nous sommes ici au 12e siècle, pratiquement avant Jésus-Christ, au temps des juges. Le temps des juges était un temps critique. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la mort de Moïse, Josué va conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Et pendant tout le long de la vie de Josué et des anciens qui étaient avec Josué, la parole de Dieu nous enseigne que Israël craignait Dieu. Israël marchait selon la parole de Dieu. Mais lorsque ces anciens sont morts, lorsque toute la génération du temps de Josué sont morts, Israël va commencer à se corrompre. Pour la toute première fois dans l'histoire d'Israël, il va y avoir ce qu'on appelle l'apostasie. Pour la toute première fois dans l'histoire d'Israël, le peuple va commencer à adorer deux divinités principales qu'on appelle Baal et Astarté. C'était des temps de misère. C'était des temps de difficulté. C'était des temps d'opprobre. C'était des temps où la main de Dieu commençait à se retirer. Pour ceux qui étaient là le vendredi, nous avons parlé de la faveur divine. Tout au long de cette semaine, nous avons fait notre temps de jeûne et prière. Et notre thème était sur la faveur divine. Nous avons vu que pour que la faveur de Dieu soit sur nous, il est important que nous marchions dans les voies de Dieu. Il est important que Dieu soit de notre côté. Il est important que Dieu étende sa main sur nous. Et depuis qu'Israël était une nation, la main de Dieu était sur cette nation. Mais voici, quand ils vont commencer à adorer d'autres dieux, d'autres divinités, des divinités païennes, Dieu va se retirer. Nous sommes dans Juges chapitre 2, pour ceux qui veulent noter. Juges chapitre 2, la Bible dit que Dieu, je veux lire juste un texte, dans Juges 2, à partir du verset 10, la Bible dit « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui est déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. » Verset 13, « Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les Astartés. » Pour la toute première fois dans l'histoire d'Israël, on nous dit que le peuple va abandonner volontairement son Dieu pour aller adorer les divinités païennes. Baal était considéré comme le Dieu de la pluie, et Astarté était comme la déesse de la fécondité. Cette déesse dont l'adoration se faisait par des orgies. Et Dieu va se mettre en colère. Cela va attirer la colère de Dieu. Car il y a une chose qui attire la colère de Dieu, c'est l'idolâtrie. Dieu a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et voici comment ce peuple commençait à adorer des créatures au lieu du Créateur. Et cela a poussé Dieu à susciter à Israël des ennemis. Quelquefois, lorsque nous avons des ennemis, c'est parce que nous abandonnons la main de Dieu. Nous abandonnons Dieu. Quand tu abandonnes Dieu, afin que Dieu te ramène dans ses voies, dans sa présence, il peut te susciter un ennemi. Lorsque Salomon, qui est le fils de David, que Dieu avait approuvé, que Dieu avait béni, s'est retiré de Dieu, la Bible dit que le Seigneur lui suscita un ennemi. Quelquefois, il y a des ennemis que Dieu lui-même suscite. Il y a des ennemis qui sont là, bien évidemment, qui ne veulent pas t'apercer. Alors, Dieu s'occupera de ses ennemis. Mais quelquefois, lorsque tu as des ennemis, regarde bien si tu n'as pas abandonné la main de Dieu quelque part. C'était le cas d'Israël ici.
Israël avait abandonné la main de Dieu et Dieu suscita des ennemis. Et quand ces ennemis venaient, qui étaient les nations qui les entouraient essentiellement, ces nations venaient les oppresser, les opprimer. Ils étaient sous l'oppression, la domination de l'ennemi. Et personne ne pouvait vivre la bonté de Dieu. Personne ne pouvait vivre la grâce et la faveur de Dieu, tout simplement à cause du fait que l'Éternel s'était retiré d'eux. Et ma prière est que Dieu ne se retire jamais de moi. Il y a quelque chose qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit toujours rechercher, c'est d'avoir la proximité avec Dieu. Amen. Alléluia. Ne laisse jamais Dieu t'abandonner. Ne laisse jamais Dieu te quitter. Tout le monde peut te quitter, mais si Dieu est avec toi, tu es dans le bon côté. Amen. Mais tout le monde peut être avec toi, mais si Dieu n'est plus avec toi, c'est la misère, c'est le malheur. Oh, que Dieu soit avec nous. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'était le cas d'Israël ici. Dieu était contre Israël. Qui pouvait défendre le cas d'Israël? Personne. Aucun avocat, aucune armée. Israël s'est livré, était livré à lui-même en tant que nation. Alors Dieu, pendant le temps qu'ils étaient oppressés, ils vont commencer à crier à Dieu. Si vous lisez la suite, le verset 16 de Juges 2, la Bible dit, l'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Voyez, il y a eu des gens, des ennemis qui sont venus les piller. Piller ce que Dieu leur avait donné. Combien l'ennemi vient piller la paix que Dieu te donne. L'ennemi veut piller le mariage que Dieu te donne. L'ennemi veut piller la bénédiction que Dieu t'accorde. L'ennemi est là. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tout ce que Dieu te donne, Dieu veut que tu puisses veiller sur ça. Amen. Il y a des personnes, avant de recevoir des choses, tu étais avec Dieu. Des bénédictions, des grâces. Mais le jour où Dieu te bénit, Dieu t'accorde ces choses, tu te retires maintenant de Dieu. Tu te déconnectes de la source. Bien-aimé, Dieu reste la source. Dans Jérémie chapitre 2, verset 11 à 13, Jérémie 2, 11 à 13, Dieu dit, mon peuple m'a abandonné pour commettre un double péché. C'est-à-dire, ils ont abandonné moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Le cœur de Dieu pleurait, gémissait. Pourquoi? Parce que le peuple avait abandonné Dieu. Et quand l'oppression arrive, quand les difficultés arrivent, quand les problèmes arrivent, c'est souvent là qu'on se souvient de Dieu. Oh, ma prière est que tous ceux qui se sont éloignés de Dieu, que Dieu vous amène des problèmes pour que vous reveniez à Dieu. Dis-moi amen. Non, tu n'as pas dit amen. Dis-moi amen. Parce que tu es tellement dans le confort. Il y en a quand ils étaient encore au pays, en Afrique, ils priaient, Jésus, le jour tu vas me bénir, le jour je serai en Europe. Maintenant que Dieu te bénit, tu oublies Dieu. Quand tu étais célibataire, tu as prié, tu priais. Quand tu n'avais rien, tu cherchais Dieu. Maintenant que Dieu te donne, tu abandonnes Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es égoïste. Tu ne l'as pas dit, hein? Je te demande de lui dire, regarde-le enfin, dis-lui, tu es égoïste. Bien évidemment, si tu abandonnes Dieu. Alléluia! Qui a besoin de Dieu ici? Nous avons besoin de Dieu. Que Dieu suscite à un homme, à une femme, un ennemi qui va tellement te déranger. Il va y avoir des péninats que Dieu va susciter pour que Anne cherche la face de Dieu, pour que la grâce de Dieu soit accordée. Parce que tu t'es éloigné de Dieu, que les péninats soient suscités, que des ennemis soient suscités. Mais ça ne sera pas pour te tuer, ça sera pour une bonne chose. Quand les ennemis sont venus, la Bible dit qu'Israël commençait à crier à l'Éternel. Oh, Dieu aime quand on crie à lui. La Bible dit, alléluia, celui qui va crier, qui crie vers Dieu, Dieu entend le cri d'un malheureux. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Dans ta situation de malheur, j'aimerais te dire que tu peux crier à Dieu.
dans ta position, dans le cas où tu te retrouves, dans des problèmes dans lesquels tu te retrouves, je veux te dire, t'annoncer une bonne nouvelle ce matin, c'est que tu peux encore crier à Dieu. C'est encore possible de crier à Dieu. J'ai dit, c'est encore possible de crier à Dieu. C'est encore possible de crier à Dieu. Les oreilles de Dieu ne sont pas fermées, ne sont pas bouchées. La Bible dit, celui qui a planté l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Ce n'est pas un Dieu de bois, ce n'est pas un Dieu de pierre, c'est un Dieu vivant et véritable. Lorsqu'on crie à lui, il entend et il descend. Haramasaka. J'aime quand Dieu entend la prière. J'aime quand Dieu exauce la prière. J'aime quand Dieu dit, oui, j'ai entendu ta prière. Est-ce que tu m'entends ce matin? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Sa parole les délivra. Pendant qu'ils étaient en train de crier à Dieu, Dieu avait une solution déjà cassée. Je vais te dire, pendant que tu penses que tout est noir, tout est fermé, il n'y a plus rien, il n'y a plus de solution. Quelque part, il y a la solution de Dieu. Quelque part, il y a la réserve de Dieu. Alléluia! Dieu entend la prière. Et la Bible dit, Dieu les suscite des juges. Les juges, c'était des libérateurs. Ils avaient reçu l'onction, la capacité surnaturelle de Dieu pour libérer le peuple de la captivité, du joug et de l'oppression. Ils ne libéraient pas le peuple parce qu'ils étaient forts, parce qu'ils étaient musclés, mais ils libéraient parce qu'ils avaient l'esprit. Pour délivrer ta famille, tu n'as pas besoin d'une force physique, tu n'as pas besoin des armes, tu as besoin de l'esprit. Car si l'esprit vient en toi, la libération est possible. Il y en a eu plusieurs que Dieu avait suscité. La Bible nous parle de Othniel, Ehud, Barak, Shamgar, voire même Déborah, une femme. Vous imaginez? Oh, est-ce qu'il y a des Déborah ici? Est-ce qu'il y a des femmes que Dieu peut utiliser comme des juges? Vous êtes timides ce matin. Je ne vous entends pas, des femmes. Au travers de toi, Dieu peut sauver ta famille. Alléluia! Tout est possible à celui qui croit. Je suis venu déclarer, là c'est une parole prophétique pour une femme, que la délivrance de ta famille va passer par toi. Je déclare que la délivrance des enfants, de tes cousins, des membres de ta famille, Dieu veut passer par toi pour les délivrer. Je dis, Dieu veut passer par toi pour briser le joug. Dieu veut passer par toi pour amener un vent nouveau. Dieu veut passer par toi pour écrire une nouvelle histoire. Dieu veut passer par toi pour écraser les puissants des ténèbres. Tu es la Déborah de cette génération. Au temps de juge, Dieu cherche quelqu'un. Oh, qui enverrait, je dis, qui marchera pour nous? Quelqu'un peut dire, me voici. Est-ce que quelqu'un peut dire, me voici? Envoie-moi, utilise-moi, même si je ne suis rien. Oh, utilise-moi, même si je ne suis rien. Utilise-moi. Je vais utiliser les Déborah. Je vais utiliser les Gédéons. Quand Gédéon, Dieu l'a appelé, Gédéon a dit, mais Seigneur, je suis le plus petit de ma famille. Dieu ne regarde pas si tu es l'aîné ou le plus petit. Dieu s'en moque. Il dit, ma famille est la plus pauvre des Manassés. Ce n'est pas une question de position sociale, une position matérielle, une position intellectuelle. Ça n'a rien à voir. C'est une à voir avec le Saint-Esprit. Car la Bible déclare qu'à mort, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par Aratabashaka. Et c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant ma fille? Oh, qui es-tu, célibat? Qui es-tu, problème, difficulté? Qui es-tu? Tu seras aplani. Et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Ah, oh, quelqu'un peut acclamer au milieu des acclamations en disant grâce, grâce sur elle. Yes!
dis avec moi alléluia. Non, non, quelqu'un peut crier avec moi alléluia. Ah, quelqu'un peut chanter avec moi alléluia. Et ramasser Kayetaba. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. C'est par mon esprit. Je danse déjà parce que quand l'Esprit de Dieu, vous connaissez cette chanson, quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Alléluia, chante comme, oh, je chante. Hey, bon. Attends, assis-toi un peu. Alléluia. Je veux que tu dises à ton ami aujourd'hui. Non, tu n'es pas dans un spectacle. Dis à ton ami aujourd'hui. Nous allons déchirer le lion. Le problème, ce n'est pas ma taille, ma peau, mon âge, mon sexe, mon rang social. Mais le problème, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le problème, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit le problème, c'est le Saint-Esprit. This is the problem of the Holy Spirit. Ma famille est la plus pauvre des Manassés. Dieu lui dit, vaillant héros. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. Oh, vaillant héros, lève-toi. Oh, lève-toi. Saint ta ceinture, saint ton épée. Va en guerre et combat. Car Dieu est de ton côté. Il marche devant toi. Il fait le chemin devant toi. Rien de personne ne peut t'arrêter à ta mala. Je dis rien de personne ne peut t'arrêter. Oh, toute arme forcée contre toi et sera sans effet. Ton Dieu te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se lèvent contre toi. Ils sortent par un chemin, mais ils en fuiront par ça. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oh, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Est-ce que quelqu'un veut me dire amen? L'autel des Baals. Et on est venu dire, mais qui a fait ça? On dit c'est Gédéon. Les gens sont venus pour défendre leur Dieu. Et on a dit à Gédéon, si Baal est Dieu, que Baal vienne descendre lui, qu'il descende lui-même se défendre. Bien aimé, ce sont des dieux qui ont des yeux mais qui ne voient pas. En fait, ce sont des statues comme ça assis. Ah mon Dieu, je t'adore mon Dieu, il t'entend même pas. Je t'adore mon Dieu, il te voit même pas. Je t'adore mon Dieu, il a des mains, il peut même pas toucher. Mais mon Dieu est invisible. Tu ne... lui tu ne le vois pas, mais lui il te voit. Lui tu ne le sens pas, mais lui il te touche. Oh, come on. Oh, qu'est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je dis, mon Dieu est invisible. Le Dieu que j'adore, le Dieu que tu es venu prier, c'est le Dieu qui va incliner le cœur de ton mari. Le cœur de ton mari est dans sa main comme un courant d'eau. Dieu va lui parler. Dieu va le mettre à genoux. Ah, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je dis, il va fléchir les genoux. Oh, ton patron, il va fléchir les genoux. Oh non, moi ne m'aime pas, ils vont fléchir les genoux. Come on.
ce matin, c'est terrible. Je devais enseigner, mais non, il n'y a pas l'onction d'enseignement. Il y a l'onction de la prédication. Il y a l'onction de la prédication. Oh, il faut que Jésus. Ah, aïe, 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 aïe. C'est comme si tu ne saisis pas, mais touche ton voisin comme si tu sois connecté. Touche ton voisin, sois connecté. Sois connecté à la bonne fréquence. Tu es à la mauvaise fréquence. Dis-lui, sois connecté. Oh, touche la corde, sois connecté. Je prophétise, quand tu sors d'aujourd'hui, quand tu sors de ce premier culte, c'est un culte de visitation, c'est un culte de gloire, un culte béni. Quand tu sors d'ici, les choses changent. Tu vas témoigner. Je dis bien, tu vas témoigner. Si tu crois, dis amen. Je dis, tu vas témoigner. En sortant de ce premier service, les choses changent. En sortant seulement. Seigneur, tu vois, Dieu n'a rien à faire de tes longs français. Tu comprends, Seigneur, c'est difficile en France. Nous n'avons pas arrivé à la mission, Seigneur. Oh, Seigneur, Dieu ne regarde pas ton long français. Même si tu es un français façon, un français bricolé, l'est à la place de là. C'est pourquoi j'aime les Ivoiriens. Au lieu de dire le là, il dit seulement amen, man. Amène-moi boisson. Il met pas la boisson, les boissons. Il dit amène boisson. Et le problème, ce n'est pas l'article. Le problème, c'est le fond. Ah, dis-moi amen. Il y a des jeux dehors ici. Il y a des jeux dehors ici. Il y a des jeux dehors ici. Dans les mêmes problèmes. Là maintenant c'est les Philistins. Avec Gédéon c'était les Madianites. Maintenant là c'est les Philistins. On dit mais on va faire comment? Les Philistins sont en train de nous oppresser. Voici un homme du nom de Manoac. Un homme qui craignait Dieu. Avec sa femme ils étaient stériles. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais j'aimerais te dire, en réalité ta stérilité ça cache une grandeur. Problème cache une grande solution. En fait, quand ton problème est petit, ça veut dire que la solution, si sera petite, ça n'aura pas d'impact. Mais plus ton problème est grand, plus la solution va être à la gloire et la louange de Dieu. Je suis stérile. L'ange de l'Éternel, qui est l'image et la préfiguration de Jésus, vient lui apparaître. Il dira, ta femme deviendra enceinte et elle enfantera un enfant. Vous lui donnerez le nom de Samson. Nom qui veut dire petit soleil. Je dis nom qui veut dire petit soleil. En réalité, le véritable soleil, c'est Jésus. Parce que Jésus s'appelle le soleil levant qui nous a visités d'en haut. On l'appelle également le soleil de la justice. La guérison germe sous ses ailes. La Bible l'appelle également l'étoile brillante du matin. C'est lui le véritable soleil. Mais la Bible dit que la femme de Manoac va enfanter un enfant qu'on appellera Samson, petit soleil. Je suis venu te dire, c'est toi le Samson, c'est toi le petit soleil. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Je disais de la volonté de Dieu. Commande, je ne suis pas citoyen français, je suis enfant de Dieu, membre du royaume des cieux. J'ai la carte de Naraya. Ce matin, c'est trop fort. Je veux, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vous dire, ah, je reçois ça, c'est à moi. C'est à moi. Ne sois pas religieux. Dieu ne visite pas les religieux. Dieu visite les gens sensibles. Ce matin, il y a une onction spéciale. Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Je disais, Dieu parle à quelqu'un. Petit soleil. Où sont les Samson? C'est nous les Samson. Les petits soleils. Quand Samson est né, la
La Bible dit qu'il devait être un Naziréen. Il ne devait ni boire du vin, ni de liqueur forte, parce qu'il était consacré depuis le ventre de sa mère. Lorsque sa femme, la femme de Manoac, enfanta Samson, la Bible dit l'enfant commençait à grandir et Dieu le bénit. Suivez bien ce que je veux dire. L'enfant commençait à grandir. Bien-aimé, si tu veux être un instrument puissant entre les mains de Dieu, ne reste pas bébé, ne reste pas un enfant. L'église est remplie de bébés spirituels. Voilà pourquoi les choses n'avancent pas. La Bible dit lorsque l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Même s'il est l'héritier, le propriétaire de tout. Bien-aimé, tu dois grandir. Lorsque tu es un enfant, Paul dit quoi? Lorsque j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Mais il y a un temps où je dois passer de l'enfance à la maturité. Oh, lorsque tu manges la parole, lorsque tu reçois l'esprit, lorsque tu es conduit par l'esprit, Dieu te sort de la dimension d'enfance et tu deviens un homme mature, une femme mature, un homme qui n'est plus dérangé par les événements. Non. Les événements ne peuvent pas m'influencer. Il y a deux choses. Il y a d'une part la réalité et d'autre part la vérité. La réalité, c'est ce que je vois. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu est capable de changer ta réalité en vérité. Oh, quelqu'un peut me dire amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je suis venu te dire, Dieu va changer ta réalité par la vérité. C'est pourquoi ne regardez pas comme tout le monde. Non, quand je te vois, ta situation est désespérante. C'est ce que tu vois. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Je ne vois pas, mais je crois. Et la foi change les situations. Je crois que ma situation va changer. Avant la fin du mois de juin, ma situation est en train de changer. Ma maladie est en train de partir. Oh, je suis en train de voir quelque chose de nouveau en train de naître. Je dis à quelqu'un qui dit dans son cœur, mais ils sont fous. Écoute, je ne suis pas fou et c'est toi qui es fou. Parce que tu ne comprends pas les choses de l'esprit. Jésus, ce n'est pas dans une boîte. Même moi, je pensais que j'allais enseigner. Et voici ma prédication. Dieu n'en a pas besoin. Dieu me parlait par son esprit. Dieu me touchait quelqu'un. Alors, je ne suis pas fou. Regarde-moi, il dit, je ne suis pas fou. Non, regarde-le, il dit, je ne suis pas fou. Non, regarde l'enfant, il dit, je ne suis pas fou. Oh, si tu es une fille, dis, je ne suis pas folle. Oh, dis, c'est l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, tu vas comprendre. Dis, c'est l'Esprit de Dieu. Dis, c'est l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas fou, c'est l'Esprit de Dieu. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la démonstration. Je disais, commande, elle est la démonstration. Elle est la démonstration. Elle est la démonstration de la puissance de Dieu. Come on. Power. Et je disais puissance. Les démons n'aiment pas ça. L'enfant grandissait. Parce que l'enfant a grandi, Dieu l'a béni. Il y a des bénédictions que tu ne vas pas toucher tant que tu ne grandis pas. C'est comme toi qui es papa. Tu as plusieurs voitures. Tu veux donner une voiture à ton enfant, mais l'enfant n'a que 10 ans. Tu ne peux pas lui donner, même si tu aimes cet enfant. C'est la même chose. C'est pourquoi chrétien grandit. Regarde ton voisin, dis-lui, grandis spirituellement. Dis-lui, grandis spirituellement. Arrête d'être un bébé spirituel. Et l'enfant est béni. Quand il est béni, il rentre dans son identité de juge. Il descend à Timna. Il a y voit une femme. Il dit à ses parents, donnez-moi cette femme. Je vais l'épouser. Ses parents vont s'opposer un peu. Mais il va dire non. Il a insisté. Donnez-moi cette femme. La Bible dit que ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Et pendant qu'ils sont partis, ils partaient pour aller doter, prendre cette femme pour qu'elle devienne sa propre femme.
afin que le dessein de Dieu, c'est-à-dire que Samson entre dans la famille de Philistins, pour que en étant dedans, qu'il puisse les anéantir. En réalité, tu es un infiltré dans le camp du diable. Tu n'as pas bien compris. Je suis venu te dire, tu es un infiltré dans le... En réalité, dans ta famille, c'est toi l'infiltré. Tu es là pour te détruire les plans de tous les sorciers. À cause de toi, les sorciers ne dorment plus à l'aise. Est-ce que tu sais que parce que tu pries dans ton immeuble, les sorciers ne volent plus la nuit? C'est pourquoi quand tu les regardes, ils sont fâchés. Tu ne comprends pas pourquoi ils sont fâchés. Le problème, c'est qu'ils savent que je sais. Le problème, c'est qu'ils savent que je sais. Non, dis à ton mot de dire, ils savent que je sais. Là où tu es, il n'y aura aucun vol nocturne. Les ailes, on les coupe. Vous allez voir des atterrissages forcés. Quelqu'un qui tombe comme ça, tu viens d'où? Je ne sais pas. Oh! Alléluia! Oh, Kemboise, Kadiet, Zafé. Oh, laissez-moi ces choses. Oh, Marabout, laissez-moi ces choses. Celui qui est en moi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Soleil ici. Dis, je suis un petit soleil. Dis, je suis un petit soleil. Bien-aimé, le lion est sorti pour l'attaquer. Le diable viendra t'attaquer. La Bible dit, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne vient pas te caresser, mais il cherche à te dévorer. Quand il vient, il cherche un moyen pour entrer dans ton couple, pour détruire ton couple. Quand il vient, il cherche par quel moyen entrer dans l'église pour casser cette église. Il cherche un moyen pour détruire ta santé, pour détruire, pour enlever, voler ta paix, pour un rien. N'avez-vous jamais ouvert juste la boîte aux lettres, un courrier, tu es mal à l'aise? Ça, c'est le courrier démoniaque. C'est pourquoi avant d'ouvrir la boîte aux lettres, priez. Tiens, ton voisin, prie avant d'ouvrir la boîte aux lettres. Oh, vous faites le spirituel, c'est vrai ce que j'ai dit? Quand tu ouvres seulement, comme c'est les impôts là, tu ouvres. Alléluia. Quel est beau chakarababa. Mais j'aimerais te dire, n'aie pas peur. Même quand on te dit tu dois beaucoup, tu dis ok, moi je n'ai pas, mais dans la banque célestiale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus n'avait pas l'argent pour payer les impôts. Il dit à Pierre, va dans la mer. Jette l'hameçon, le premier poisson qui vient là. Mais le problème, c'est que tu doutes même que, qu'il y a encore des poissons qui ont l'argent dans la bouche. Tu vas aller au marché, tu achètes des poissons, la dorade, mais la dorade, tu vas voir. Et à ton voisin, dis-lui, c'est un Dieu de miracles. Et à l'aide, dis-lui, c'est un Dieu de miracles. Les chrétiens sont stressés. Ça va, frère, au désert. Ça va, mon frère, au. Ça va, ma soeur, oh là là, Jésus vient nous chercher seulement. En fait, il veut aller au ciel, pas parce qu'il aime Jésus, parce qu'il a trop de problèmes, il n'en peut plus. Et comme il ne peut pas se suicider, il dit, Seigneur, viens nous chercher. Arrête ça au nom de Jésus. Quand le lion est venu, écoutez, la Bible dit que Samson, sans rien avoir à la main, vous savez, on nous présente dans les films Samson comme un grand qui avait des muscles, des biceps, des triceps, des abdos, tout ça. Bien aimé, Samson n'avait pas tout ça. Samson avait seulement cette tresse qui était l'alliance avec Dieu, le signe de l'alliance. Mais ce qui a fait de Samson un homme le plus fort, ce n'était pas les muscles, mais c'était l'esprit qui était sur Samson. Le même esprit qui est sur toi peut faire de toi une personne dangereuse. Et la Bible dit que lorsque le lion est venu, le lion s'est jeté. Regarde tous ces problèmes qui viennent t'envahir, qui se jettent sur toi. Ces problèmes de ceci, problèmes de famille, problèmes de ceci, oh, difficultés de cela. Tous ces problèmes qui viennent se
jeter à toi. Oh, si tu es un petit soleil, ne sois pas inquiet, ne sois pas bouleversé. Toi, dis-toi, moi je suis un enfant de Dieu. Que l'Esprit de Dieu simplement me saisisse. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel a saisi Samson. J'aime quand l'Esprit me saisit. Quand l'Esprit avait saisi Saül, la Bible dit que Saül a été changé, transformé en un autre homme. Quand l'Esprit te saisit, tu n'es plus la même personne. Tu ne parles plus comme la même personne. Tu es différent. Dieu te rend une personne différente. Il prend le lion et il déchire le lion. Vous imaginez un homme qui déchire le lion. Imaginons qu'un lion entre ici tout de suite. Je suis sûr qu'il va y avoir des murs, des portes qui vont s'ouvrir dans les murs ici. Regarde ton voisin, dis-lui vrai ou faux. Non, pose la question, vrai ou faux. Je sais que tu aimes regarder le lion quand c'est dans la télé. Mais que le lion vienne ici et que rougit. Aïe, 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 aïe. Tu te dis, Jésus, je suis cabri aujourd'hui. Samson a déchiré le lion. Sans rien avoir à la main, il déchira le lion. Et il tua le lion. Quand Dieu m'a donné ce message avant-hier, il me disait, lorsque les problèmes arrivent, ne recule pas. Si Samson avait reculé, il n'allait pas déchirer le lion. Affronte. 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 Tout à l'heure encore, ce matin, pendant que j'étais avec l'homme de Dieu dans le bureau, il m'a dit, il m'a rappelé quelque chose. À Abidjan, c'était en décembre dernier. J'étais à Abidjan. Il y a une femme pour laquelle on a prié, pour qui nous avons prié. Je crois qu'il y avait un problème de conception. C'est ça? Stérilité. Elle était stérile. On l'avait condamnée, on l'a dit, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. L'homme de Dieu me rappelle, c'était le dernier jour. Il m'a dit, prions pour ce cas. Nous avons prié. Et on me dit que là, elle est enceinte de 9 mois, de 8 mois, de 7 mois, pardon, 7 mois et demi. Si tu es stérile, sans manger, le ventre va gonfler. Est-ce que tu as compris? Sans manger. Parce que si tu manges, c'est normal. Il y a des gens qui ont le gros ventre parce qu'ils mangent. Mais je parle de sœurs. Regardez. Elle est là. Sans manger parce que un miracle va se passer. Le jour là, nous avons prié. Et la prière a déchiré la stérilité. Et je déclare dans ta vie, si tu es là ce matin et si tu es stérile, je déchire ta stérilité au nom de Jésus. Et je déclare, tu n'auras pas de fausse couche. Ta femme ne fera pas. Aïe, ta machata. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Il faut dire amen quand je dis ces choses. C'est très sérieux. Ce matin, c'est très sérieux. Je dis bien, il n'y aura pas de oh non, fausse couche. Quelle fausse couche? Quelle fausse couche? D'où sors-tu, fausse couche? Je t'envoie dans le Nazareth. Ah, je mets le bébé dans ton ventre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais comme ça, ça y est. Fais ça y est, fais ça y est. Bizarrement, je viens de voir des jumeaux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si tu demandes des jumeaux, si tu veux des jumeaux. Mais je viens de voir des jumeaux. Teddy, je vis des jumeaux pour ta femme. Ah, on commence déjà à le féliciter. Ça, c'est la preuve que ça va arriver. Alléluia! Dis avec moi, je déchire les lions. Fais comme ça, je déchire les lions. Ah, on va faire quelque chose de prophétique. Laisse un peu ta Bible, dépose un peu tout ce qu'il y a dans tes mains. Pose. Dis au nom de Jésus, je déchire la stérilité dans ma vie. Au nom de Jésus, je déchire la fertilité dans ma vie. Au nom de Jésus, je déchire la pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus, je déchire le manque dans ma vie. Au nom de Jésus, je déchire l'instabilité dans ma vie. Au nom de Jésus, je déchire, je déchire, je déchire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, fais avec moi, je déchire. C'est un acte pour
déchire au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'un homme. Tu n'as pas besoin d'un instrument. Tu as juste besoin du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais qu'il est avec toi dans ta maison, dans ta chambre, dans ta cuisine, partout où tu es, le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit est là avec toi, où que tu sois, je peux t'assurer, tous ces lions vont être déchirés. Tout ce qui s'élève contre toi, si tu pleurais aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, essuie tes larmes. Ne pleure plus. Ne pleure plus, ma fille. Ne pleure plus, ma fille. Ne pleure plus, ma fille. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ta situation a une solution. Je te parle de la part de Dieu. Je te parle ce matin de la part de Dieu. Ta situation a une solution. A une solution. Tu vas déchirer le lion. Et une fois que le lion sera déchiré, à l'intérieur du lion se trouve le miel. À l'intérieur du lion se trouve ta bénédiction. Derrière ce problème, il y a la solution pour toi. Derrière ce problème, il y a un grand témoignage. Je dis bien, tu vas témoigner. Derrière cette difficulté, il y a un grand témoignage. Tu diras assurément, Dieu m'a visité, Dieu m'a fait du bien. Si tu crois à cette parole, lève-toi et dis, je crois et je reçois, je le recevrai dans mon cœur au nom de Jésus. Et tu acclames très fort.